la sortie de Café Lake avec la présentation d'une carte mère. Elle est signée Asus. Elle se nomme la ROG Strix Z370F Gaming. Elle s'oriente vers les joueurs et permet donc d'exploiter cette 8e génération Core de chez Intel qui va permettre le déploiement de puces à 6 cœurs sur la gamme Core i7 et Core i5. On en reviendra au niveau du test. Mais pour l'heure, écoutez, présentation de cette solution, elle est annoncée à 220€. Alors côté bundle, on va découvrir ça ensemble. Au niveau du packaging, c'est clairement orienté joueur. De toute façon, ça pose pas de doute puisque la carte est commercialisée sous la marque ROG, Republic of Gamer. À l'intérieur, on va retrouver donc la carte en elle-même. On va détailler ça dans un petit instant. Donc là, je vais l'enlever. Voilà, je vais la poser à côté. Ici, le bundle se retrouve au fond de la boîte et il y a pas mal de sachets. Donc du coup, il y a pas mal de petites choses à dire. Alors je découvre ça avec vous. On va essayer d'être constructif. Ici, on va retrouver donc du câble SATA, c'est pour tout ce qui va être disque dur et SSD. On retrouve également, donc ça c'est la plaque arrière permettant de peaufiner l'installation et d'exploiter les différentes connectiques de votre carte mère. On retrouve également un pont SLI, ça c'est pour tout ce qui va être carte NVIDIA, donc ça si vous avez du multi-GPU au cœur de votre configuration. On retrouve ici, ça c'est des petites attaches en plastique pour pouvoir organiser l'intérieur de votre boîtier. Enfin, on va retrouver, si je ne me trompe pas ici, oui, donc tout ça, ça va être lié au rétro-éclairage, donc de pouvoir piloter différentes choses en annexe. Donc ça c'est la technologie Aura propre à Asus. On retrouve ici une petite sonde vous permettant de capter la température à l'intérieur de votre boîtier, donc du coup de voir si sa ventilation est efficace ou non. Et enfin, on va retrouver ici, alors là ça c'est un petit adaptateur qui vous permet de placer votre processeur en limitant les risques de tordre les petits picots avec vos ongles, donc ça assez utile si la manipulation vous inquiète. Et enfin, on va retrouver ici, alors là il y a un petit dessin, ça va être un adaptateur, donc Asus propose en option un petit ventilateur pour renforcer le refroidissement au niveau du VRM, donc de l'étage d'alimentation. Et ici on retrouve donc les différentes visseries. Et côté manuel, alors ici on va avoir donc le manuel principal. Donc de la carte vous permettant de connaître ses caractéristiques mais également les différents connecteurs et comment brancher tout ce beau monde. Ensuite on va retrouver, et ben justement on vient d'en parler ici, donc cette addition de ce petit ventilateur additionnel en option. Par contre on a bien ici la visserie qui est disponible. On retrouve le CD de driver avec les différents utilitaires. Et enfin ici donc une petite personnalisation au niveau de la porte de sa chambre. Ici un code, ça doit être pour l'achat donc en annexe de câbles particuliers pour tout ce qui va être customisation à l'intérieur de son boîtier. Et enfin vous allez retrouver ici tout un panel d'autocollants, toujours pareil, afin de pouvoir par exemple y différencier les différents câbles ou de pouvoir mettre en avant le fait que vous avez opté pour une plateforme Republic of Gamer de chez Asus. Asus se positionne donc sur l'arrivée de Coffee Lake avec le déploiement de plusieurs cartes mères, dont cette ROG Strix Z370F Gaming. Comme le nom le supposait, on est sur une orientation joueur avec une carte au look particulièrement travaillé, PCB noir. On retrouve également une sorte de damier en fond et bien sûr un rétro éclairage RGB qui aujourd'hui est quasiment devenu le standard sur ce segment. Il sera possible donc de le personnaliser en couleur et en effet via une application, et la carte est équipée également de sortie ou alors d'entrée pour pouvoir piloter d'autres composants qui seront compatibles avec cette technologie Aura de chez Asus. On va peut-être débuter donc en parlant brièvement de ce design. On retrouve un imposant système de refroidissement touchant le chipset mais également le VRM. Donc ici c'est tout ce qui est étage d'alimentation. Il se compose de 3 radiateurs assez massifs en aluminium travaillé, jeu de couleurs. On est sur du noir et du gris. Au niveau donc du VRM, on va avoir 2 radiateurs très anguleux et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on retrouve également une forme particulière permettant la création d'ailettes, ce qui va favoriser le passage de l'air et donc dans l'absolu augmenter les performances en refroidissement. Il n'y a pas d'usage de caléoduc, donc ici ces 2 radiateurs sont indépendants. On retrouve également ici un cache permettant de protéger la connectique arrière et un rétroéclairage RGB à ce niveau là ça j'en reparlerai au niveau du test dédié. Au niveau du chipset, donc on a cet imposant système comme je le disais tout à l'heure avec de l'aluminium et du noir, mariage de deux, celui afin de proposer une sorte de petit contraste marqué. Et on retrouve ici également un petit radiateur et ça va concerner cette fois-ci l'exploitation d'unités de stockage au format M2. On va
en reparler. On va attaquer tout de suite avec la mémoire. Donc ici, on a une solution compatible avec de la DDR4. La gamme Coffee Lake, donc ici, exploite du dual channel. Donc là, on utilisera 2 ou 4 modules. On pourra installer 64 Go de mémoire avec des fréquences officielles de 2133 et 2666. Ça, c'est pour répondre au dernier contrôleur mémoire donc de Coffee Lake. Prenons en charge cette fréquence. Bien sûr, ici, Asus propose bien au-delà. On peut installer 64 Go et on a également l'annonce de plusieurs fréquences en OC. Alors là, j'ai quand même noté ça parce qu'il y a pas mal de références. On a du 2800, 3000, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3600, 3733, 3866 et 4000 MHz. Au niveau donc des ports PCI Express, donc là on va peut-être s'adresser en particulier au niveau du joueur. On a une plateforme qui est annoncée compatible donc 2-way SLI et 3-way Crossfire. Donc là le nom Crossfire va peut-être disparaître puisque AMD commence à parler de MGPU. On a fait quelques actualités à ce sujet, ça c'est en particulier avec la démocratisation de l'API DirectX 12. Mais pour revenir donc à cette solution, on va retrouver 3 ports PCI Express donc au format X16. Les deux premiers sont renforcés, je ne sais pas si vous pouvez le voir, avec une structure en métal. Ça permet l'utilisation de cartes graphiques longues et généralement lourdes. Au niveau câblage, donc ici on a du PCI Express 3.0 en X16. Si les deux sont utilisés, on passe en X8, et tandis que le dernier est câblé de son côté en X4. Par contre, on retrouve également ici 4 ports PCI Express en 1X, ça c'est pour tout ce qui va être utilisation de cartes fille. Tant que je suis à ce niveau-là, on retrouve également ici à ce niveau-là la solution audio, c'est du Supreme FX avec une annonce du 8.1. Au niveau stockage, ça va se passer donc à l'arrière de la carte. Ici, on a un positionnement des ports SATA à 90 degrés, ce qui permet de limiter l'encombrement à l'intérieur du boîtier. Il y en a également la part de chez Asus ici, la position du connecteur USB 3, ça c'est pour les connectiques avant du boîtier, pareil avec cette disposition à 90 degrés. Ici, 6 ports SATA, c'est du 6 gigabits complété par la présence de 2 ports M2. Donc le premier va se situer à ce niveau-là et le deuxième va être donc au niveau du radiateur que je parlais tout à l'heure, là, de ce radiateur M2 qui va normalement favoriser la dissipation thermique et donc de limiter la montée en température et donc normalement de maximiser les performances, même si on a une configuration qui est fortement sollicitée. Au niveau de ces deux connecteurs M2, on a la prise en charge des unités en 2242, 2260 et 2280. Donc la 2280 correspond à 22 mm au niveau de la largeur et 80 mm au niveau de la hauteur. Donc du coup, 2260 c'est 22 en largeur et 60 en hauteur. Donc 2 M2. On retrouve également au niveau de cette solution entre ce qui est disponible à l'arrière et les différentes entêtes sur le PCB, la prise en charge de 8 ports USB 3.1. Il y en a 6 qui sont en génération 1, donc ça c'est géré par le processeur. Et on retrouve également 2 connecteurs directement gérés, eux, par une puce Asmedia, ce qui permet d'avoir accès non pas à de la génération 1, mais à la génération 2, donc avec un débit supérieur. Et enfin, Coffee Lake s'accompagne par contre d'une solution graphique intégrée. Donc là, il n'y a pas très d'évolution par rapport à la gamme actuelle Coffee Lake. Et ici, donc, Asus a prévu à l'arrière différentes sorties. On va retrouver du DVI, on a également du HDMI et du DisplayPort. Cette solution, donc cette ROG Strix Z370F Gaming est annoncée pour aujourd'hui. Elle devrait être disponible en boutique et côté positionnement tarifaire, on est sur un tarif aux alentours de 220 €. Je vais vous mettre un petit lien au niveau de la vidéo si vous êtes intéressé par cette solution, sachant qu'on vous retrouve bien sûr sur le site pour un test complet, donc cette fois-ci d'un core i5 de cette gamme Coffee Lake au travers de cette solution signée Asus. Merci à tous, si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles nouveautés.